Bonjour et bienvenue au webinaire ASAP, As Simple as a Project. Le webinaire va durer à peu près une heure, je vais faire une présentation de 45 minutes et je laisserai 15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le petit encadré du webinaire et j'y répondrai à la fin. Le sommaire du webinaire, je vais commencer par une présentation de la société TeamSquare. Je présenterai ensuite ASAP. Je ferai une démonstration des différentes fonctionnalités et je finirai par la réponse aux questions. Donc TeamSquare, on est une société spécialisée dans le management de projets et portefeuilles de projets qui est constituée d'une équipe de consultants tous certifiés Microsoft et ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu dans les cœurs de métier, donc qui sont le management de projet, le management de portefeuille de projet. Donc toujours une équipe qui sera là pour répondre à vos besoins et prendre en compte vos besoins le plus possible. On est certifié Microsoft Gold Partner sur la solution Project. Au niveau de la couverture nationale, donc on a notre siège à Lyon. On a également une agence à Paris, à côté de Bastille, et des consultants un peu partout en France en fonction des clients pour lesquels on a des besoins en gestion de projet, en management de projet et en accompagnement sur la mise en place de Project. Juste quelques références pour préciser qu'on n'est pas attaché à un domaine d'activité en particulier ou une typologie d'entreprise en particulier. On va pouvoir intervenir dans tous les domaines, que ce soit public ou privé, et que ce soit les domaines, par exemple, de l'automobile, de l'informatique, les domaines bancaires ou les conseils généraux. On a des consultants donc, qui sont un peu dans tous ces domaines-là et qui répondront à vos besoins. Donc concernant ASAP, c'est un outil simple et collaboratif qui va vous permettre de gérer vos projets, votre portefeuille de projets, la partie saisie des temps, et nous avons rajouté une fonctionnalité qui concerne le capacity planning, donc de visualiser quels sont vos besoins en ressources à court, moyen et long terme. Donc ASAP, c'est un outil facile à utiliser qui reste simple à faire évoluer et à personnaliser, toujours dans l'objectif de répondre à vos besoins et de vraiment coller aux attentes des différentes personnes qui vont utiliser l'outil. Il est disponible chez vous, directement installé dans vos environnements. Ou en mode SaaS, ce qui vous permet une mise à disposition très rapide, parce qu'on a un fonctionnement en hosting qui vous permet d'avoir un environnement en quelques jours. ASAP est basé sur SharePoint Foundation, donc la plupart des sociétés ont SharePoint Foundation, ce qui veut dire que la mise en place d'ASAP peut se faire à moindre coût. ASAP va pouvoir fonctionner sur tous les appareils, que ce soit les PC, les smartphones et les tablettes, donc ce qui permet un accès quasiment en continu aux données de vos projets, vos feuilles de temps et aux capacity planning. Et pour finir, ASAP peut être lié avec d'autres outils Microsoft comme Outlook pour récupérer les tâches sur lesquelles vous devez intervenir ou la liste des projets sur lesquels vous intervenez ou également avec Project pour créer des projets à partir des données ASAP. Donc je vais enchaîner sur une démonstration de l'outil. Je vais commencer donc par la page d'accueil de l'outil. Donc on va retrouver dans cette page d'accueil un carrousel en haut de la page qui va permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités. Vous avez le bouton pour créer un nouveau projet, pour accéder au centre de projet, pour accéder au portefeuille de projet, pour renseigner vos feuilles de temps, donc le temps passé sur les activités, accéder à la partie capacity planning et un accès privilégié à la partie reporting.
Les accès vont être variables en fonction des droits que l'on vous a donnés sur l'application. Donc tout le monde ne verra pas forcément tout en fonction de ce qu'il a le droit de faire dans la ZAC. Dès la page d'accueil, on a une partie reporting qui va être mise à disposition pour donner une synthèse très rapide des données projet qui sont déjà renseignées dans l'environnement. Donc par exemple ici, on a un graphique qui montre le budget regroupé par groupe. Ici, les groupes sont les lieux d'intervention. Donc ce qui permet de voir quel est le volume de budget qui est consommé sur la région de Lyon, la région de Marseille ou la région parisienne. Les rapports que je vais vous présenter sont entièrement personnalisables en fonction de vos besoins. Là, on a fait ce choix-là, mais ça pourrait être par typologie de projet, par service, par typologie d'activité. Donc là, c'est vraiment à définir en fonction de ce que vous avez besoin de visualiser ou de reporter aux personnes demandeuses. Donc dans ce graphique budget par groupe, on visualise très facilement donc en bleu le budget initial qui était prévu sur l'enveloppe des projets de la région de Lyon. Par exemple ici on est à 200 000 euros. On visualise également le budget actuel, donc ce qui a déjà été consommé, et ce qui reste à consommer, donc c'est la partie remaining qui est en orange. Donc, ce qui permet de voir également l'évolution des projets. Dans les diagrammes en camembert de la partie basse, on en a deux. Donc, le premier permet de visualiser le budget, la distribution du budget toujours en fonction des groupes. Là encore, on aurait pu choisir d'autres critères de regroupement. Donc, ce qui nous permet de voir quelle est la région qui consomme peut-être le plus. Ou qui a le plus de budget pour fonctionner. Et celui d'à côté permet de visualiser le nombre de projets par statut. Donc on a renseigné ici des statuts pour dire si le projet était futur, démarré, terminé ou mis en attente. Donc ce qui permet de voir l'enveloppe de projets. On voit ici qu'on a 7 projets en cours, 2 projets qui sont terminés, un projet qui a été arrêté, un projet sur lequel le statut n'a pas été renseigné, donc ça permet aussi de voir la qualité des projets et d'identifier ce projet-là facilement et de pouvoir renseigner des informations, et un projet qui est mis en attente. Dans la partie de droite, on a des KPI qui nous permettent ici de voir les risques. Donc de voir le nombre de risques avérés, enfin identifiés sur les projets, et ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont été finalement avérés sur l'ensemble du portefeuille du projet. On peut également visualiser quels sont les projets, la quantité de projets qui est mise à jour correctement, régulièrement. Donc la plage de visualisation est paramétrable, là c'est sur les 2 dernières semaines. Donc on visualise que 4 projets ont été mis à jour sur les 2 dernières semaines et par contre 3 autres projets n'ont pas été mis à jour. Donc les données que l'on risque de visualiser dans les rapports ne seront peut-être pas forcément justes. On visualise ensuite les projets qui sont à l'heure et les projets qui sont en retard. Donc on voit ici que sur nos projets, on a 4 projets qui sont réalisés dans les temps aujourd'hui. Et 3 projets qui ont pris de retard ou qui n'ont pas été mis à jour, puisque on voit ici qu'ils n'ont pas forcément été mis à jour. Est-ce que ce sont les mêmes projets ou pas? Et les projets qui respectent le budget. Donc on voit ici qu'on a 4 projets qui respectent le budget prévu initialement, et puis les autres ne respectent pas ou ça n'a pas été renseigné. Et les 2 barres en bas représentent les jalons qui ont été passés dans les 2 dernières semaines également. Donc on voit ici qu'on a 3 projets pour lesquels il y a eu des jalons de passer sur les 2 dernières semaines et 4 autres projets pour lesquels on a des jalons mais ils n'ont pas été passés dernièrement. Et puis les projets en avance. Donc on a 2 projets en avance et 5 projets qui se déroulent normalement ou qui sont en retard.
Donc ça, c'est notre page d'accueil qui nous permet déjà de donner pas mal d'informations sur notre portefeuille de projet. Je vais donc continuer sur les différents éléments qui constituent l'outil ASAP et je vais commencer par la partie gestion de portefeuille de projet. Donc pour la partie portefeuille de projet, je vais commencer par aller dans le centre de projet qui va me permettre de lister tous les projets auxquels j'ai le droit d'accéder aujourd'hui. Hein, c'est toujours lié au droit. Donc là, je suis administrateur, donc j'ai le droit de visualiser tous les projets. Les affichages sont des affichages SharePoint, donc on peut regrouper ou filtrer les données comme on le souhaite. Et par exemple, ici, on a choisi toujours de garder notre regroupement par région, par groupe, Lyon, Marseille et Paris, et ce qui nous permet de voir tous les projets qui vont être réalisés sur Lyon, tous ceux qui vont être réalisés sur Marseille et tous ceux qui vont être réalisés sur Paris. Pour chacun des projets, on va visualiser différentes informations, là aussi personnalisables. Donc on a ici choisi d'afficher le code du projet. Donc c'est un code qui est renseigné, qui représente peut-être un code WBS ou un identifiant au niveau des achats dans notre projet. On visualise ici le nom du projet. On a un lien URL pour accéder au site de projet, je vous en parlerai après. On peut associer à notre projet une typologie, un modèle de projet, donc qui va nous définir une liste de tâches, une bibliothèque de documents, donc un site associé à notre projet pour stocker nos documents, avec une arborescence qui sera définie et spécifique à chaque typologie de projet. On voit ensuite le nom du responsable du projet, la date de dernier reporting sur nos projets, la date de début, la date de fin estimée et le pourcentage d'avancement de nos projets. Et ensuite, on passe à une partie budgétaire. Donc, on visualise ici le budget initial et le budget revu avec l'avancement du projet. Donc par exemple, pour ce projet-là, on voit qu'on avait un budget initial de 50 000 euros et on est plutôt en train de le dépasser, on serait à 53 500 euros. Donc là encore, toutes ces informations sont personnalisables en fonction des données que vous souhaitez visualiser sur les projets. Ensuite, donc, on va passer dans la partie portefeuille. Donc, je peux cliquer dans le menu ici sur portfolio, ce qui va me permettre de switcher sur la partie portefeuille de projet. Donc, je vais retrouver la même liste de mes projets que j'avais initialement, toujours affichée en fonction des droits que vous avez. J'affiche ici toujours la date de début, la date revue, et la date du dernier reporting qui a été fait sur le projet. Et ici, on a choisi d'afficher des indicateurs qui nous permettent de visualiser la santé de notre projet. Donc, on a l'état de santé, donc c'est des indicateurs qui sont ici renseignés manuellement, par le chef de projet, et qui va dire, ben, mon projet est plutôt en bonne santé. Au niveau des coûts, tout se passe bien, je respecte les budgets qui étaient prévus initialement. Et par contre, par exemple ici, au niveau planning, je commence à dériver et je n'arriverai pas à tenir les engagements qui étaient pris sur ce projet. Donc on a différents états. Le vert, c'est tout se passe bien. Le rouge, c'est attention, il y a un gros problème. Et l'orange, c'est warning, ça part pas dans le bon sens, mais on a peut-être des plans d'action à mettre en place pour revenir dans l'objectif prévu initialement. Et sur la partie de droite, on peut visualiser les projets en version diagramme de Gantt, ce qui nous permet de voir la barre bleue qui nous donne l'information sur la date de début, la date de fin du projet, et la barre noire qui nous donne l'avancement de nos projets. Donc ça nous permet de voir si tous nos projets avancent comme ce qui était prévu ou s'il n'y a pas des soucis. Par exemple, sur celui-là, on a de l'avancement dans le futur, ça ne doit pas être très très normal. Nous, ça nous permet également de voir, d'identifier des problèmes de mise à jour ou de date sur nos projets.
On va pouvoir également faire des filtres sur, par exemple, le Project ID. Donc, si j'écris le Project ID et je lance ma recherche, il va me sélectionner que le projet qui a l'ID 12 que j'ai renseigné ici. Là encore, on aurait pu choisir de faire une recherche sur d'autres critères, comme le groupe, la région, sur une date ou sur un état de santé de notre projet. On veut visualiser tous les projets qui ont un problème au niveau planning pour pouvoir mettre peut-être des choses en place. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être paramétrés dans cet affichage-là. Donc voilà sur la partie portefeuille. Je vais revenir à ma page d'accueil pour passer à la partie gestion des projets. Donc sur la partie gestion des projets, l'objectif c'est de pouvoir créer facilement de nouveaux projets, d'associer à chaque projet un environnement spécifique. Donc il va nous permettre de renseigner les dates du projet, les dates importantes, mais également toute la documentation associée à notre projet. Donc toutes les informations qui concernent notre projet vont être stockées dans un lieu unique avec un accès unique via la plateforme ASAP. On va pouvoir renseigner des champs personnalisés au niveau des projets pour les qualifier. Donc pour mettre un lieu de réalisation, une typologie de projet, peut-être un nom de portefeuille ou un nom d'application qui vont nous permettre de regrouper ou de faire des rapports, de créer des rapports à partir de ces données-là. Toute la documentation du projet sera stockée sur le site associé au projet. On pourra faire des rapports de situation à des rythmes variables en fonction des chefs de projet, en fonction des besoins, des demandes qui nous sont faites. De renseigner les actualités qui tournent autour du projet, de créer des forums, enfin de faire, d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans SharePoint. Donc, je vais passer à la démonstration. Donc, pour créer un nouveau projet, dans la page d'accueil, on a un bouton qui s'appelle « Nouveau projet ». Et pour créer mon nouveau projet, j'accède à un formulaire, là encore entièrement personnalisable en fonction de vos besoins, où je vais renseigner les critères de mon projet. Donc je vais mettre le titre de mon projet. Donc on peut avoir des règles de nommage qui sont propres à la société et qui pourraient être appliquées à cet endroit-là. Je vais choisir ensuite le nom du chef de projet. Donc la liste des chefs de projet est basée sur, sur l'Active Directory. Donc je rentre mon nom et il va me sortir automatiquement le nom des personnes correspondant à ma recherche. Donc je vais retrouver toutes les personnes qui sont rentrées dans l'AD. Donc ça permet de renseigner facilement le nom et de ne pas faire de faute de frappe. Je choisis ensuite le groupe, donc ici je vais créer un projet sur la région de Marseille. Je vais renseigner la date de début de mon projet. Donc par exemple, je dis que mon projet va démarrer le 23 février. Je vais renseigner un budget pour mon projet, par exemple ici de 200 000 euros. Et je vais estimer la date de fin de mon projet. Donc j'accède au calendrier. Hop, et par exemple, je dis qu'il se termine le 26 février 2016. Je renseigne ensuite un code ou pas. Ce n'est pas un champ obligatoire. On voit ici qu'il y a des petites astérix pour tous les champs obligatoires à renseigner. Si le code, je ne l'ai pas parce qu'il ne m'a pas été attribué, je ne suis pas obligée de le renseigner. Je choisis ensuite mon template. Donc je vais prendre le template de déploiement. Donc là on a deux modèles de projets, soit les projets de déploiement, soit les projets de développement. Et je choisis si je veux créer mon projet soit en rétro-planning, donc à partir de la date de fin, soit en planification normale en partant de la date de début. Je sauvegarde mon projet qui va être automatiquement créé.
Et si je vais dans la liste des projets, je vais retrouver mon projet ici qui a été créé dans la région de Marseille. Je retrouve le type de projet, le modèle de projet. Je vois que c'est moi qui l'ai créé. Et je retrouve mes dates et mon budget. Je vais pouvoir ensuite cliquer sur le nom du projet pour pouvoir renseigner ou visualiser les autres informations. Donc on voit qu'on avait renseigné des informations de base, mais on pourrait également renseigner d'autres informations comme le pourcentage d'avancement, la santé du projet, le budget actuel, etc. Et pour renseigner ces informations, je vais aller sur le site du projet. Donc je clique directement sur l'URL du site, ici, ce qui va me faire basculer directement sur le site du projet qui a été créé, qui était prévu dans le modèle. Dans le modèle de ce site, j'ai deux grosses bibliothèques qui sont la partie définition des informations et la partie reporting, et puis le contenu du site. Et dans ma page d'accueil, qui est entièrement personnalisée, je retrouve le nom de mon projet. On a des phases qui sont identifiées sur le déroulement de notre projet, spécification, pilote, déploiement et support. Donc je vais pouvoir après renseigner dans quelle phase je me trouve. Et par défaut, il m'a créé la liste des jalons clés identifiés pour cette typologie de projet. Donc pour modifier la liste des jalons, ben je vais cliquer dans la partie de gauche sur jalons et je vais accéder à la liste des jalons de mon projet. Je retrouve les dates, je vais pouvoir affecter chacun des jalons à une personne et chaque jalon a été associé à une phase de mon projet, spécification, pilote ou déploiement. Je peux rajouter deux nouvelles étapes dans mon projet. Donc, par exemple, ici, je vais créer une nouvelle tâche. Je vais lui mettre le nom. Donc, je peux dire que c'est la livraison de la documentation. Je vais renseigner la date à laquelle je dois faire cette livraison. Je vais mettre le 16 mars. Je vais mettre ma due date. Hop, donc on va dire le 20. Je peux affecter donc cette tâche-là à une personne. Donc par exemple, c'est moi qui dois le faire, je peux m'affecter cette tâche-là. Et je vais pouvoir sauvegarder donc cet élément-là pour l'ajouter à la liste de mes jalons. Donc je vois ici la livraison de la documentation. Si je reclique sur mon jalon, je vais retrouver les informations et je peux cliquer sur voir plus de détails et renseigner d'autres informations. Donc avoir un prédécesseur, créer un planning, mettre une description si je veux mettre par exemple la liste des choses que je dois livrer dans la documentation. Est-ce que c'est le PAQ, est-ce que c'est le document de paramétrage, enfin tous les documents que je dois remettre. Et puis je peux ajouter un lien de cet item à un document dans mes projets ou un autre élément dans le site SharePoint du projet. On retrouve dans cette liste des fonctionnalités un peu similaires à celles que l'on a dans Project Server, qui sont la possibilité de créer une chronologie. Donc je vais pouvoir, par exemple, si je veux remonter tous mes jalons dans la chronologie, les sélectionner, et puis les ajouter directement pour pouvoir visualiser facilement la liste de mes jalons et le communiquer peut-être aux personnes concernées qui n'ont pas accès à ASAP. Et c'est des fois un peu plus joli à présenter sous cette forme de chronologie que d'avoir une liste de tâches comme on l'a ici. En sachant que cette chronologie est entièrement personnalisable, donc je vais pouvoir modifier la position du texte pour que ça soit lisible. Je peux modifier la couleur des barres qui peut être associée à chacune des phases ou des typologies de phases de mon projet. Donc on peut rendre cette chronologie assez sympathique à visualiser et à exploiter en fonction de ses besoins.
Ensuite, donc, on va pouvoir ajouter de la documentation. Donc, je vais revenir à la page d'accueil de mon projet. J'ai la partie ici documents, donc je vais pouvoir ajouter des nouveaux documents dans le site de mon projet. Donc je clique ici sur nouveaux documents, sur aller chercher mon document, et puis par exemple je vais aller chercher un document sur mon bureau. Hop. Donc je vais pouvoir renseigner sur mes documents différentes caractéristiques. Pour mon document, pour dire si c'est un plan de test, si c'est un document associé à une phase spécifique de mon projet, quand est-ce qu'il a été modifié, bien sûr, qui l'a modifié, et je vais là aussi pouvoir personnaliser les éléments qui vont être associés à mon document, toujours dans l'optique de les regrouper, de les classer et de les retrouver facilement. Donc suivant ce qui a été défini dans la gestion documentaire. On va également pouvoir renseigner des risques associés à notre projet. Donc dans la partie risque ici à gauche, pour le moment, donc comme je viens de créer mon projet, je n'ai pas forcément identifié de risque. Je vais créer un nouveau risque, donc en cliquant sur nouvel item dans la barre d'outils. Je dois renseigner un risque, donc par exemple ça peut être un risque lié à la météo, si c'est un projet qui intervient en extérieur, on peut être bloqué par des conditions météorologiques spéciales, de la neige, du verglas ou autre. Je vais pouvoir définir quels sont les différents critères de mon risque, mettre une description et puis dire qu'est-ce qui se passe si le risque est avéré, donc les plans d'action qui vont être associés à ce risque-là. Je vais pouvoir associer un coût. Donc renseigner le coût supplémentaire qu'il y aura sur mon projet si le risque est avéré. Quel va être l'impact sur mon projet? Ça peut être un impact délai, par exemple. Si le projet, s'il y a une intempérie, une période de gel, et je ne peux pas intervenir sur mon projet durant cette période-là, forcément, ça va me décaler les dates de mon projet. Je peux renseigner une probabilité de réalisation ou d'arrivée de ce risque. Je peux également renseigner une date à laquelle ce risque peut arriver, donc ça me permet d'identifier à quelle phase. Je peux l'associer à une catégorie, donc est-ce que c'est une est-ce que c'est lié au project management, est-ce que c'est lié au staff, est-ce que c'est lié à du support, est-ce que c'est lié à différents critères, quel est son statut, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est décalé ou est-ce qu'il est terminé, et je peux affecter ce risque-là à des personnes et désigner un responsable de ce risque, donc la personne qui devra le suivre. Lorsque j'ai renseigné toutes ces informations, je clique sur sauvegarder. Et mon risque va être automatiquement enregistré et je vais pouvoir après le recliquer dessus pour le modifier en fonction des besoins. Pour notre projet, on va également pouvoir renseigner des rapports de statut, donc renseigner un avancement. Donc toujours pareil, je vais cliquer sur nouvel item pour créer un nouveau rapport de statut. Automatiquement, il met la date du jour, mais je pourrais très bien dire que ce statut a été fait la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de me renseigner encore dans mon projet. Je peux renseigner un pourcentage d'avancement. Donc bon, là, mon projet démarre en février, donc logiquement, il n'a pas démarré. Je peux mettre un texte qui va me décrire qu'est-ce qui a été fait depuis le démarrage du projet jusqu'à cet état. Renseigner le statut du projet, la santé du projet, donc bah, pour le moment tout se passe bien. La phase actuelle, bah, c'est la première, c'est la phase de spécification. Et puis, bah, lorsque le projet va avancer, je vais pouvoir renseigner, modifier mes dates. Donc ça, c'est ce qui était prévu initialement. Je peux les modifier et je peux renseigner quand est-ce que ça a été réalisé réellement. Sur la partie planning, donc je vais pouvoir là aussi mettre un statut. Et sur la partie coût, je vais pouvoir renseigner le budget. Donc on voit que le budget initial est de 200 euros. Et je peux répartir ce budget-là
en fonction des typologies de coûts. Ici, on a défini la typologie de coûts matériel et travail. Donc, ce qui va me permettre de dire que sur la partie matérielle, j'estime qu'il y a 10 000 euros. Et puis, les 190 000 euros sont en charge de travail. Et là encore, je pourrais renseigner quel est le coût réellement consommé et réestimer le reste à faire, ce qui va me donner le budget global, voir s'il a évolué par rapport à ce qui était prévu initialement. Je renseigne également le statut de mon coût. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Et puis, je renseigne le statut global de mon projet. Est-ce que le projet n'est pas démarré, est en cours, est terminé, est arrêté ou a été arrêté, est mis en suspens. Donc, pour le moment, il n'est pas démarré. Et je peux attacher des documents à ce statut. Un compte-rendu, par exemple, ou un reporting que l'on a fait associé à ce statut-là. Le statut va apparaître dans la liste des statuts. Et si je reviens à la page d'accueil de mon projet, je vais pouvoir visualiser ici dans la page d'accueil le statut. Donc je vois que tout est ouvert. J'ai renseigné ici la phase, donc je suis en phase de spécification. Et je retrouve mon rapport ici, donc j'aurai juste à cliquer dessus si je veux le consulter. Donc ça nous donne vraiment une fiche projet très rapide à visualiser et analyser en fonction des besoins. Donc je continue sur la partie feuille de temps. Donc on va pouvoir dans la ZAP saisir ces temps associés au projet ou pas. Donc c'est pas obligatoire, on peut également faire de la saisie des temps sur des projets qui n'existent pas ou qui n'ont pas été créés dans cet environnement-là, parce qu'on ne souhaite pas les suivre, par exemple. Donc, pour accéder aux feuilles de temps, je vais cliquer ici sur « Feuille de temps » dans le carrousel. Et automatiquement, donc, il charge la feuille de temps sur la période sur laquelle je me trouve. Donc, aujourd'hui, on est le 15 janvier, donc il m'a chargé la feuille de temps qui commence le 12 janvier et qui se termine le 18 janvier. Pour saisir nos temps, on va insérer une ligne et on va retrouver dans cette feuille de temps les typologies. Donc je vais pouvoir créer des tâches de type ici normal associées au projet, des tâches réunion, des tâches maladie, des tâches vacances. Là encore, la liste des typologies est entièrement modifiable en fonction des éléments que vous souhaitez suivre dans votre feuille de temps. Je vais ensuite donc créer la tâche. Donc on n'a pas de liste de tâches qui est proposée ici par défaut. Donc on renseigne le type de tâche que l'on a réalisé cette semaine-là. Donc par exemple j'ai fait de l'étude. Et puis je vais renseigner le nom du projet. Donc soit c'est un projet qui n'existe pas, soit je veux saisir sur un projet qui existe. Donc je tape la première lettre du projet ou une lettre contenue dans le projet. Et automatiquement, il va me sortir la liste des projets. Et j'aurai juste à choisir le projet sur lequel j'ai réalisé du travail. Donc par exemple ici, Exchange Integration 2013. Et puis je vais pouvoir dire que j'ai travaillé 4 heures le lundi, 4 heures le mardi. J'ai rien fait mercredi sur ce projet-là. Je vais faire 2 heures aujourd'hui. Et puis je prévois de faire 4 heures demain, par exemple. Et puis, je vais pouvoir ajouter une autre ligne pour saisir d'autres éléments. Donc, par exemple, j'ai des réunions. Donc, c'est une réunion de service. Et puis, la réunion de service, elle a duré 4 heures le mercredi. Et puis ensuite, je vais pouvoir insérer une nouvelle ligne encore et dire que je suis en congé le vendredi après-midi, par exemple. Et puis, je vais finir par une dernière tâche normale sur un projet. Donc, j'ai fait de la formation d'un nouvel arrivant sur un projet en particulier qui est la migration des bases de données. Et puis, on a fait ça 4 heures le lundi, 4 heures le mardi, 4 heures le mercredi et puis 6 heures aujourd'hui.
il me fait automatiquement le total ici. Et quand j'ai bien saisi la totalité de ma feuille de temps, qu'on a basée ici sur 40 heures ou 40 unités de temps, je vais pouvoir sauvegarder ma feuille de temps pour qu'elle soit prise en compte dans les rapports associés à cette feuille de temps. Donc la feuille de temps est simplifiée, les chefs de projet ne sont pas obligés de créer une liste d'activités pour que les ressources puissent saisir. Dès l'instant où le projet est identifié, ils pourront identifier le temps qui a été passé sur le projet. Et c'est chaque ressource qui identifie les tâches qu'elles ont réalisées sur ce projet-là. On peut également avoir un système de validation des feuilles de temps qui n'a pas été mis en place ici, mais ce qui permettrait, ben, comme dans Project, de dire les chefs de projet valident les saisies qui ont été faites sur leur projet, savoir s'ils sont d'accord ou pas sur la quantité d'heures saisies et également sur les typologies de tâches qui ont été créées. Donc, voilà sur la partie saisie des temps. Je continue sur la partie Capacity Planning, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée dans ASAP dernièrement, les autres fonctions y étaient jusqu'à maintenant. Donc l'objectif du Capacity Planning, ça va permettre au chef de projet de renseigner ses besoins en ressources, tous les besoins qui sont validés, mais également les besoins prévisionnels, donc de faire ses demandes de ressources. On va pouvoir visualiser une vue globale de l'utilisation des ressources sur les projets ou ressources par ressource. On visualisera également un rapport synthétique de ces données-là et des rapports facilement manipulables. Je vais vous les présenter juste après. Et on peut visualiser les modifications instantanément. Donc dès que l'on renseigne des données dans le Capacity Planning, les données sont disponibles dans les reportings. C'est le cas également pour toutes les autres informations qui sont renseignées dans la partie Capacity Planning, projet, feuille de temps. Dès que l'on renseigne des données dans ASAP, elles sont disponibles dans les rapports. Donc pour accéder à la partie Capacity Planning, je reviens à ma page d'accueil et je vais cliquer sur le bouton Capacity Planning. Donc, je retrouve dans cette partie Capacity Planning des demandes qui ont déjà été faites ou des éléments qui ont déjà été renseignés. Je retrouve la personne pour laquelle on a renseigné des données, le projet sur lequel j'ai renseigné des informations, les tâches sur lesquelles, pareil, j'ai renseigné des informations, la typologie d'affectation, est-ce que c'est des affectations qui sont validées ou des affectations qui sont proposées, donc qui ne sont pas sûres, et qui a fait les demandes. Pour créer une nouvelle demande dans mon Capacity Planning, j'ai juste à cliquer sur le bouton Insérer ligne, un peu comme dans les feuilles de temps. Je vais sélectionner, choisir ma ressource. Donc je tape une lettre toujours, première lettre du nom, ou dès l'instant où la lettre est disponible dans le nom des personnes, il va me sortir dans la liste. Donc par exemple, je veux faire des affectations là pour moi. Je vais choisir le nom de mon projet. Donc je veux par exemple exprimer un besoin sur le projet SharePoint 2013. Et puis, je vais pouvoir renseigner le nom de l'activité. Donc, par exemple, ici, je vais dire que c'est une activité de formation. Et puis, c'est quelque chose qui est sûr, donc je le passe au statut comité. Et après, je vais pouvoir renseigner les charges que j'ai identifiées réparties dans le temps. Donc, ici, on a choisi de renseigner les données par mois, mais on peut également modifier cette périodicité et descendre au niveau de la semaine, donc être bien plus précis, ou alors on n'a vraiment pas une vision au mois, mais on est plutôt au trimestre, et à ce moment-là, on peut passer au trimestre. Et on a une vision beaucoup plus macroscopique. Donc tout dépend peut-être la période à laquelle on fait ce renseignement d'informations sur la capacité des ressources et des informations qui nous sont mises à disposition. Donc je vais par exemple renseigner ici que Sophie doit passer 10 jours en formation au mois de février. Elle va passer également 10 jours
au mois de mars et 5 jours au mois d'avril. Je vais pouvoir du coup créer autant de lignes que de besoins. Et une fois que j'ai renseigné mes informations, j'ai juste à cliquer sur sauvegarder. Mes données vont être sauvegardées et vont être disponibles dans les rapports associés au Capacity Planning. Donc la charge va être lissée sur la période sélectionnée. Et puis si je veux avoir une vision plus macroscopique, par exemple, je vais passer au trimestre. Et automatiquement, donc il va mettre les 6 prochains trimestres de Capacity Planning. Donc il cumule les données que j'ai saisies. Donc je me retrouve bien avec 20 jours sur le premier trimestre, 5 jours sur le deuxième trimestre, et ainsi de suite. Donc je pourrais renseigner, par exemple ici, les données jusqu'au second trimestre de 2016. Et puis si je veux aller plus loin, j'ai juste à cliquer sur suivant et je vais passer au 6 prochains trimestres, donc à partir du trimestre 3 de 2016 jusqu'au 6 trimestres après. Donc facile à créer, on n'a pas forcément besoin d'avoir les projets identifiés dans l'environnement. Je pourrais créer une demande sur un nouveau projet qui n'existe pas encore. Donc ça permet vraiment de faire ces demandes de ressources ou d'exprimer la charge des ressources validées actuellement très facilement dans un tableur de type Excel. On va pouvoir également dans la partie Capacity Planning faire des tris ou des regroupements ou filtrer que sur une personne, parce que là j'ai pas énormément de demandes, mais on imagine bien que lorsque tous les chefs de projet auront exprimé leurs besoins, on peut avoir beaucoup de ressources et beaucoup de lignes. Donc là ça va me permettre de filtrer sur une personne. Donc je sélectionne son nom, je peux trier, je vais pouvoir également dans cette vue là faire des groupements. Donc on l'a pas identifié ici, mais c'est des fonctionnalités natives de SharePoint qui peuvent être mises en place dans ce type d'affichage, ou filtrer sur un projet pour voir toutes les demandes qui ont été faites, par exemple, sur le projet Bulk Edit Tool. Donc, je vois qu'il y a 3 ressources qui sont identifiées. On a des trainings de l'architecture et de l'implémentation. Et je vois la charge qui a été demandée ici par trimestre. Une fois que j'ai renseigné toutes ces données, je vais pouvoir les analyser dans les différents rapports mis à disposition dans ASAP. Donc, on passe à la partie rapport et tableau de bord. Donc pour accéder au rapport, je clique toujours dans le carrousel de la page d'accueil sur Report. Et les rapports sont ici regroupés par typologie. Donc tous les rapports qui concernent les projets, tous les rapports qui concernent les feuilles de temps et tous les rapports qui concernent le Capacity Planning. Donc si je commence par la partie projet, je vais avoir le premier rapport, le Management Report, qui va me permettre de visualiser les projets regroupés toujours par région ici, donc Lyon, Marseille et Paris. Et je retrouve les informations qui ont été renseignées dans les status reports de tout à l'heure par les chefs de projet. Donc ce qui permet de voir ici le nom du projet avec son code et de voir quelle est la santé et l'évolution. Donc la santé actuelle est bonne et on voit que précédemment c'était bon aussi. Donc le projet a l'air de plutôt bien se passer. Et puis sur les statuts au niveau des dates, on voit que la date de fin se décale. Donc on a un problème sur la date de fin, la tenue de la date de fin. Et puis au niveau des coûts, tout se passe bien. A priori, on ne consomme pas plus que ce qui était prévu. On voit par exemple ici sur le projet Austin 2013, déploiement du Austin 2013, que le précédent état était bon et puis l'état actuel est en alerte. Donc attention, le projet est en train de se dérouler peut-être un peu moins bien que ce qui se passait au préalable. Donc il faut faire attention aux informations, suivre ce projet peut-être d'un peu plus près pour bien s'assurer qu'on va réussir à reprendre le bon cap et à tenir les objectifs prévus pour ce projet-là. Donc on retrouve tous ces éléments-là, donc ça donne un tableau très synthétique sur le portefeuille de son projet, sur les informations de son projet.
Le deuxième rapport, c'est le statut des projets. Donc, dans ce rapport-là, on va pouvoir sélectionner les projets que l'on souhaite visualiser. Par exemple, je vais prendre les projets de Lyon. Je peux également faire un filtre pour ne voir que les projets qui sont en cours, par exemple. Donc, je suis pas obligée, hein, je peux tous les visualiser. Et je peux sélectionner un projet en particulier. Et j'affiche les données associées à ce projet, parce que c'est lié à un projet. Donc, le statut de projet est obligatoire. Et donc là, je retrouve la fiche de mon projet. Donc, je visualise la santé du projet. Donc, c'est les indicateurs qui ont été renseignés dans le status report du projet. Le statut au niveau des coûts, le statut au niveau du planning. Je retrouve les informations du détail du projet. Quel est son nom? Quel est le groupe d'appartements? Quel est son statut? Ben, ce projet-là a été arrêté. Le chef de projet, le budget initial, la date de début du projet, la date de dernière mise à jour. Et puis, bah, je retrouve ici les jalons. Donc, quel était le jalon prévu initialement? Quelle est la date replanifiée? Quelle est la date actuelle? Et on voit tout de suite un écart de variation. Donc, on voit ici qu'on a plus de 134 jours sur la fin du déploiement. Donc, il a été décalé à peine une année, mais de 6 mois. On a ensuite une courbe sur les coûts, donc ce qui nous permet de voir l'évolution des coûts dans le temps, donc sur les différents rapports. Et on a également un statut donc plus détaillé sur les coûts, donc qui nous permet de voir quelle quantité a été consommée, répartie dans le temps, quel est le reste à faire et quel est le budget après révision. Et on peut également visualiser la liste des risques. Là encore, ces rapports sont entièrement modifiables en fonction des données que vous souhaitez visualiser. Toujours sur la partie projet, on visualise maintenant le statut des jalons. On va faire une sélection sur le groupe. On va pouvoir sélectionner une période de temps. Pour visualiser ici donc tous les jalons qui vont être réalisés, qui doivent être passés sur la période que j'ai sélectionnée ici. Donc c'est sur un an, automatiquement un an glissant. Donc on voit que bah, tous ces jalons-là ont été passés ou doivent être passés sur la période. Donc ça permet vraiment de savoir quelles sont les prochaines étapes identifiées sur le groupe de projet de Lyon. Et dernier rapport au niveau des projets, c'est le rapport global ASAP. Donc, qui permet sur ici tous les projets, parce que j'ai pas réalisé de filtre, tous les projets qui sont renseignés dans l'environnement, de visualiser le budget actuel et le budget revu. On a la liste des projets qui apparaît en bas et on a le montant du budget qui apparaît en ordonnée. Et on voit, bah, par exemple, que sur ce projet-là, le reste à faire est négatif, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'argent par rapport à ce qui était prévu. Ensuite, on a une distribution du budget toujours par groupe, donc c'est ce que l'on avait dans la page d'accueil, et une vue par statut, toujours au même rapport que l'on a dans la page d'accueil. On voit ici qu'on était à 7 tout à l'heure, on est passé à 8 puisque j'ai rajouté un projet, donc ça se met à jour immédiatement. Et on voit ici l'avancement des projets. Donc ça permet d'avoir toujours la liste des projets et de voir bah, les projets qui sont à 100%, donc qui sont terminés, et puis bah, certains projets n'ont pas démarré, d'autres sont à 40%, donc ça permet vraiment de voir là où on en est dans chacun des projets. On va pouvoir faire des sélections par groupe de projets. Donc je vais voir tous les projets de Lyon. Et il va me sortir donc tous mes projets uniquement, enfin les mêmes diagrammes, mais uniquement sur les projets de Lyon. On passe ensuite à la partie feuille de temps. Donc dans les feuilles de temps, on va pouvoir visualiser un statut des feuilles de temps qui ont été saisies.
Donc ça permet là de faire de la qualité des données, donc de voir que par exemple moi j'ai bien fait toutes mes saisies des temps sur les 4 dernières semaines. Par contre, d'autres n'ont peut-être pas fait, mais peut-être parce qu'on vient juste de démarrer, on leur a demandé de saisir à partir du début d'année. Donc ça peut être critique ou pas, et de voir si l'intégralité de la feuille de temps a été saisie. On voit ici par exemple Nicolas a saisi que 10 heures sur la semaine. On attend 40 heures par semaine, donc sa saisie est partielle, donc on peut l'alerter en lui demandant de compléter sa saisie avec les éléments réalisés sur cette semaine. Donc, toujours sur la partie feuille de temps, nous allons visualiser le deuxième rapport qui s'appelle le travail par ressources, qui va nous permettre de visualiser la charge de travail qui a été saisie par chacune des ressources sur les différents projets. Donc, on voit ici qu'il y a eu des saisies de réaliser sur le mois de décembre et le mois de janvier, et on a une couleur par ressource qui nous indique la quantité de travail saisie ressource par ressource. Donc par exemple, Sophie a saisi 120 heures sur le mois de décembre. Et puis si on descend dans le tableau juste en dessous, on visualise un tableau qui regroupe par ressource le nom des projets sur lesquels il y a eu des saisies et on retrouve ici la valeur des saisies qui a été faite sur le projet. On peut dans ce rapport-là faire une sélection sur une période de temps donné. Par défaut, il prend les 6 derniers mois. Et on peut également sélectionner une liste de projets. Donc si on veut voir que les saisies sur un seul projet, on va pouvoir sélectionner le projet qui nous intéresse. Toujours dans la partie rapport et les feuilles de temps, on a un rapport qui va nous montrer la charge de travail saisie sur les différents projets. Donc cette fois-ci, le regroupement va se faire par projet. Et on va visualiser ici toujours les mêmes valeurs sur décembre et janvier, les quantités de travail qui ont été saisies sur chacun des projets. Donc on voit ici que on a eu 96 heures de saisie sur la partie vacances, j'ai 48 heures de saisie sur Bulk Edit Tool, et j'ai là encore le détail dans un tableau qui me regroupe par projet les ressources qui ont saisi et la valeur qui a été saisie par chacune des ressources. Le dernier rapport sur la partie saisie des temps, c'est la charge de travail répartie par typologie. Donc on va pouvoir visualiser ici les types de saisies qui ont été faites. Donc on voit en orange tout ce qui était saisi de type normal, en gris toutes les tâches de type vacances. Donc ça permet de voir, par exemple, que si on était en juillet-août, on a beaucoup de congés et c'est normal, que il y a peut-être une quantité de maladies qui augmente, donc il y a peut-être un mal-être dans la société ou dans l'équipe qui fait que les gens se mettent plus en maladie. Donc ça permet d'identifier des éléments de ce type-là. Et toujours en bas, on retrouve le nom des ressources, la typologie par ressources et la répartition des saisies dans le temps. On peut modifier la période sur laquelle on visualise les données. Je finis sur les rapports liés au capacity planning. Donc on a un premier rapport qui montre la capacité, donc les demandes, les besoins en ressources répartis par projet. Donc ce qui va permettre de visualiser les charges demandées sur chacun des projets. Donc on visualise ici la période de temps et j'ai une couleur par projet. Et quand je passe ma souris dessus, il m'indique la charge qui a été demandée. Donc ici, j'ai 23 jours demandés en février sur le projet WebPart Développement. Là encore, je vais retrouver le nom des projets, les ressources qui ont été demandées sur ce projet-là, quelle est la typologie de la demande et la répartition des charges. Dans le graphique actuellement, on ne visualise que les charges comité. On pourrait très bien rajouter une fonctionnalité, une petite coche, dire je veux voir que les charges comité ou le cumul des charges comité est proposé pour avoir l'ensemble des demandes.
Le deuxième rapport sur la partie capacity planning, c'est la capacité, enfin les besoins en ressources répartis par ressources cette fois-ci. Donc ce qui va nous permettre de voir ressource par ressource quel est son plan de charge prévisionnel comparé avec la capacité de notre ressource. Donc la capacité prend en compte les congés qu'elle aura saisis, les jours fériés qui auront été saisis, et la capacité présentée est globale pour l'ensemble des ressources sélectionnées. Donc on regarde également ici que la partie comité. Donc on voit que sur les quatre ressources sélectionnées, on a encore un peu de bande passante sur février et sur mars. Mais peut-être que c'est déjà couvert par des propositions, des demandes qui ont été faites sur des projets. Donc là aussi, on pourrait rajouter une fonctionnalité pour visualiser à la fois les données comités et les données proposées, comme ce que l'on a dans Project Server. Je vais pouvoir faire des simulations, donc sélectionner ou désélectionner certaines ressources. Donc par exemple, si je m'enlève, j'applique la mise à jour, donc le rapport va se mettre à jour que sur les trois ressources sélectionnées. Il va du coup m'enlever de la capacité et va me permettre de visualiser si j'ai une ressource en moins, quelles sont les demandes sur ces trois ressources-là, les trois ressources de mon équipe par exemple, si je suis responsable d'équipe. Voilà, donc je vois que sur ces trois ressources-là, la bande passante est un petit peu moindre, donc on peut accepter un peu moins de projets que si j'avais une ressource en plus. Le dernier rapport sur la partie capacity planning, c'est les demandes comparées avec le travail réalisé. Donc ça permet aussi de voir si on avait prévu une ressource à 50% sur un projet, si elle est plutôt en train d'en consommer 70 ou d'en consommer 30, et de réajuster sa demande en fonction de ce qui se passe réellement sur ce projet-là. Donc je vois ici, toujours sur un ensemble de projets ici, qu'est-ce qui a été comité? Qu'est-ce qui a été proposé? Donc logiquement, tout ce qui est sur janvier-février, c'est comité. Et par contre, on a des propositions, des demandes supplémentaires à partir de mars. Et puis sur cette période-là, on n'a pas encore de travail réel sur les projets qui ont été sélectionnés dans ce rapport-là. On retrouve à chaque fois un tableau qui nous donne le détail plus précis sur les éléments affichés dans le graphique. Tous les rapports que je vous ai montrés peuvent être imprimés ou exportés pour des personnes qui n'auraient pas accès à ASAP, donc pour une communication, donc sous les différents formats qui sont présentés ici, donc en PDF, en Excel, en Word, vraiment dans un but de communication. Toutes personnes qui ont accès à ASAP, il vaut mieux qu'elles gardent accès à ASAP, ce qui leur permet d'avoir toujours les données réelles et modifiées en temps réel. Donc j'en ai terminé avec la démonstration. Donc juste un petit rappel sur les fonctionnalités natives de la solution ASAP. Donc on va pouvoir faire du versionning, ce qui permet d'avoir une traçabilité. Qui a fait quoi, quand et est-ce qu'il y a des commentaires associés à chaque version. De partager des documents facilement, donc solution collaborative, d'avoir des livrables, des comptes rendus associés à notre projet. De connecter ASAP au calendrier Outlook pour consulter les informations dans son calendrier Outlook directement. Et d'avoir des alertes et des notifications savoir quand est-ce qu'un livrable a été modifié ou dès qu'un document est modifié, être alerté pour pouvoir suivre l'évolution des actions faites sur le projet.
Donc en conclusion, AVAP, c'est un outil qui est facile à utiliser. Il va permettre de gérer le portefeuille de projets, de gérer des projets, de faire des saisies des temps simplifiées. Il va nous permettre de gérer un capacity planning, donc d'identifier rapidement les surcharges et les besoins en ressources sur les projets et sur les membres de l'équipe du projet. Donc ça facilite la gestion de l'équipe projet. Et puis va permettre d'avoir des données exploitées de type rapport entièrement paramétrable et de faire des liaisons avec d'autres ERP puisque c'est basé sur SharePoint Foundation, donc tous les outils Microsoft entre autres, mais après avec développement on peut faire des interfaces avec d'autres outils du marché. Donc j'en ai terminé avec la présentation, je vais laisser place maintenant à vos questions. Je vais répondre déjà aux questions qui ont été posées. Donc n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à poser tout ça. On a une question sur la version d'AZAP. Est-ce qu'on peut avoir cette AZAP en version française? Donc oui, la démonstration que j'ai faite est en anglais, mais l'outil... Elle peut être développée sur du SharePoint en français pour les sociétés qui le souhaitent. Et il est disponible déjà actuellement en version française. Une autre question sur le fait que l'outil est utilisable en mode hors ligne. Effectivement, l'outil n'est pas accessible en hors ligne. Par contre, le fait qu'il soit accessible via tablette, smartphone ou dès qu'on a une connexion Internet, pallie quand même à ce fait-là. Enfin, il faut qu'on soit connecté aux environnements, comme c'est le cas pour Project Server, entre autres, quand on accède à la partie web. Donc, on ne peut pas avoir d'accès hors ligne à l'environnement. On a une autre question sur le respect des jalons, savoir si on a des alertes automatiques sur lorsque la date du jalon est dépassée. Donc cette alerte, on peut l'avoir directement dans les rapports. Après, s'il y a besoin d'autres alertes par mail ou autre, donc ça c'est chaque utilisateur qui doit le paramétrer. Si on veut que ça soit paramétré de façon plus globale, ça peut être intégré dans des nouvelles fonctionnalités. Donc si vous avez besoin d'autres choses, d'autres fonctionnalités associées à AZAP, il n'y a aucun souci, c'est facilement personnalisable et modifiable en fonction de vos besoins. Donc une question sur la comparaison entre Project Server et AZAP. La véritable valeur ajoutée que l'on a dans AZAP, c'est déjà la facilité de mise en place. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont... Enfin, les fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui sont fournies en standard. Le coût, Project Server, dans les versions actuelles, devient très cher pour les sociétés. Donc, c'est pas toujours possible de mettre en place ce Project Server dans les sociétés par rapport au coût. On a juste ici un accès web, besoin de SharePoint Foundation, donc la plupart des sociétés l'ont. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place et peu coûteux. Au niveau des avantages, on est peut-être un petit peu moins aussi contraint par l'application Project Server, puisque Project Server c'est un outil qui est fourni par Microsoft. Là, on peut le personnaliser, faire les rapports que l'on veut avec les technologies que l'on souhaite. On n'est pas obligé de tout mettre en place. Si on ne veut pas faire de saisie des temps, on ne va pas faire de saisie des temps. Donc là, c'est vraiment adapté en fonction de vos besoins. Et je pense que le gros avantage, la grosse différence, c'est au niveau coût et facilité d'utilisation par rapport peut-être à du Project Server. Une autre question donc, qui concerne la possibilité d'intégrer un planning Project Server dans AZAP.
Oui, bah, Project Server est basé sur du SharePoint, hein. Donc, dès l'instant où on va avoir notre project, on va pouvoir insérer les données de notre projet dans ASAP. Après, tout dépend des informations que l'on souhaite intégrer. Peut-être que d'intégrer toute la liste des tâches, c'est peut-être pas l'objectif que l'on souhaite ici. On a plutôt une planification macro. Si on veut une planification plus détaillée, on restera dans du project standard ou project server. À voir en fonction des éléments que vous souhaitez renseigner dans ASAP et suivre dans ASAP. Au niveau des feuilles de temps, donc on me demande si on peut mettre des limites de nombre de jours pour la saisie sur des projets ou sur des jours de saisie. Donc oui, aujourd'hui on a mis une limite nous sur le nombre global de enfin, la quantité globale saisie sur la feuille de temps. Donc à savoir qu'aujourd'hui on a décidé que l'on avait 40 heures par semaine. On n'a pas forcément mis de limite par jour, mais c'est des choses qui sont identifiables. Et au niveau des limites par rapport à un temps identifié au niveau du projet, donc là c'est pas mis en place, mais là encore c'est des évolutions qui peuvent être intégrées à ASAP pour dire que l'on a attribué 40 heures à une personne sur un projet et de s'assurer qu'elle ne consomme pas plus que ce qu'on avait prévu ou qu'on ait une alerte dans le cas où elle consomme plus. Aujourd'hui, ce qui nous permet de faire ça, c'est les rapports qui nous compare qu'est-ce que j'avais prévu dans la partie capacity planning et qu'est-ce qui a été saisi dans les feuilles de temps des équipes et projets. Alors j'ai une question également sur l'administration. L'administration d'ASAP. Donc, tout ce qui est ajout de champs, modification des formulaires, c'est des fonctionnalités natives de SharePoint. Donc dès l'instant où vous connaissez le fonctionnement de SharePoint et l'ajout de champs ou la modification de formulaires, c'est des modifications qui peuvent être réalisées par la société directement. Après, bah, y a des impacts bien sûr sur les rapports. Donc si vous voulez rajouter ces champs-là dans des rapports, il faut connaître les technologies qui ont été utilisées pour faire les rapports. Aujourd'hui, c'est Reporting Services, mais bien sûr, la solution peut être administrée en interne suite à une formation, peut-être par exemple de notre part ou suivant les connaissances de vos équipes sur SharePoint et sur Reporting Services. Après, on peut avoir des rapports réalisés dans Excel également, donc qui sont peut-être plus facilement accessibles par l'ensemble des acteurs. Au niveau de la réactivité, si c'est fait en interne, ça va dépendre de la disponibilité de vos équipes. Si les modifications doivent être faites par nous, là c'est à évaluer en fonction de vos besoins. Donc on vous demandera des spécifications ou un détail des évolutions que vous souhaitez apporter et un chiffrage vous sera fait et envoyé pour validation. Et discussions bien sûr, mais là c'est du domaine commercial, donc les coûts sont variables en fonction des évolutions, des changements que vous souhaitez faire dans l'application. Donc si vous avez des besoins, là je vous laisserai vous rapprocher de Jessica Viavno, notre commercial, pour avoir ce détail d'informations. Donc je pense que j'ai balayé l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Je termine donc sur les contacts. Donc vous pouvez contacter à tout moment Monsieur Brun ou Jessica Bienvenot qui répondront à toutes vos questions sur les aspects commerciaux et prix. Et juste pour information, donc nous sommes en phase de recrutement. Donc on recherche des chefs de projet, des consultants en management de projet. Donc si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par
par ce type d'activité, ce type de job. N'hésitez pas à leur communiquer l'adresse candidature@steamsquare.fr et on sera ravis de les recevoir et de leur proposer nos offres. Et on retrouve donc toutes les offres d'emploi sur la page de recrutement du site internet teamsquare.fr. Je vous remercie à tous pour votre participation et peut-être à bientôt dans un prochain webinar. Bonne journée !